didn't scared you for 20-odd years. I would call you up every Saturday night, and we'd both stay out till the morning light, and we sang, here we go again. Patrice Gouellard, une carrière exceptionnelle. Né à Caen, marié et père de deux enfants, Patrice est passionné par les voitures grand tourisme, monstres de 600 chevaux. Il a conduit les plus belles et les plus performantes, Porsche, Viper, Ferrari et dernièrement Corvette avec l'équipe Luc Alphand. Il a piloté sur les plus beaux circuits du monde, Le Mans, Daytona, Spa, Sebring, Suzuka, Monza. Son palmarès, éloquent, est fort d'un titre de champion du monde GT, de 3 titres de champion de France et de 13 participations aux 24 heures du Mans. Le jour où un ami lui fait essayer un kart, c'est la révélation. Patrice Gouellard en achète un d'occasion et gagne sa première course. Le karting est une super école pour redémarrer en course automobile. Ça permet de se familiariser avec les courses en peloton et d'acquérir une hargne nécessaire pour les victoires. À 17 ans, il décroche le premier de ses 4 titres de champion de Normandie. Vice-champion de France Inter, il intègre l'équipe de France et remporte le prestigieux trophée à Lazare. Patrice sacrifie alors ses économies et s'inscrit à une école de pilotage. Il est sélectionné parmi les 5 finalistes sur 200 candidats et bien que le plus rapide en piste, il n'est pas considéré comme le meilleur. Patrice prend conscience des réalités d'un sport où les qualités de pilotage ne sont manifestement pas les seuls éléments pris en compte. Vexé, Patrice quitte son emploi dans l'informatique pour se consacrer entièrement à la compétition. Je suis hargneux en course, je me laisse pas doubler facilement. Je dirais que c'est un peu tous les pilotes sont comme ça, mais bon, c'est tous les team managers qui ont roulé avec moi m'ont souvent répété que j'ai peut-être des qualités pas assez reconnues pour faire des chronos, alors qu'en course, je ne supporte pas un pilote devant moi. Malgré un budget limité, Patrice Gouellard s'impose d'emblée en Coupe de France. Galvanisé par ses coups d'éclat, Patrice se fait remarquer en championnat d'Europe à Spa, où il obtient une probante deuxième place devant les ténors de la catégorie. Entre les courses, Patrice Gouellard démarche les sponsors et signe un partenariat avec une société de nettoyage industriel, le groupe TFN. Son talent et son charisme séduisent le chef d'entreprise. Mais Patrice n'a pas le budget suffisant pour être dans la bonne équipe avec la bonne voiture. Il tourne alors la page monoplace et convainc son sponsor de s'engager en Coupe Porsche. Je vais suivre les pros, ils vont me montrer le chemin. Patrice Gouellard se place d'emblée dans le top 5, mais ses résultats sont en dents de scie. Soit il gagne, soit il sort de la piste. La conduite d'une voiture de plus d'une tonne s'avère différente d'une monoplace de 450 kg. Il aura même un sérieux accident à Charade. Malgré cette grosse frayeur, Patrice termine 5e du championnat amateur. Il réalise aussi un rêve en disputant ses premières 24 heures du Mans. 1995, il intègre l'équipe L'Arbre Compétition et gagne le championnat amateur. Ce titre lui ouvre les portes du championnat pro, il se classe 4e. Son esprit et sa motivation sont déjà ailleurs. Patrice Gouellard veut piloter des GT sur les plus beaux circuits du monde. C'est L'Arbre Compétition. Avec mon coéquipier allemand André Harlet.
Rapide et fiable, Patrice Gouellard est taillé pour l'endurance. Jack Lecomte, manager de l'Art Compétition, lui propose le championnat du monde. Il va piloter une Porsche biturbo de 500 chevaux et terminer quatrième. Au Mans, il se classe 5e GT. Remarqué par l'usine Porsche, le constructeur allemand le fait participer à deux courses au Brésil où il triomphe face à Bob Vollek. En 1997, Patrice Gouellard remporte les 24 heures de Daytona GT1. Associé au pilote F1 Pedro Lamy, il termine 5e du classement général des 24 heures du Mans. Je participe à des grandes épreuves avec des teams de plus en plus professionnels. Je suis associé à des pilotes qui ont gagné les 24 heures du Mans. J'ai moi-même gagné Daytona, donc la roue est en train de tourner, quoi. Il domine outrageusement le championnat de France GT, où il est tout simplement invaincu avec 10 victoires. C'est son premier titre de champion de France GT. À Daytona en 1998, il arrache la 3e place du classement général au volant de la monstrueuse Porsche 911 GT1 de 650 chevaux. Champion de France GT 1997, vice-champion de France 1998 et 1999, Patrice Gouellard s'est fait un nom dans le sport automobile. En 2000, c'est la consécration. Patrice devient champion du monde et reçoit son trophée à Monaco avec Michael Schumacher. Les vainqueurs de la catégorie NGT avec leur Porsche 911 GT3R, Christophe Bouchu et Patrice Gouellard, les deux Français qui ont décroché le titre donc en cette saison 2000 avec de superbes performances. Au Mans, il percute une voiture en tête à queue à plus de 180 km/h. Cette édition reste son plus mauvais souvenir. Mais cet épisode ne l'a pas empêché d'être champion du monde avec 6 victoires, 6 pole positions et 8 records du tour. Un nouveau vice-champion de France, Patrice Gouellard découvre aussi le pilotage de la Chrysler Viper GTS-R aux 24 heures de Spa, où il finit deuxième avec Sébastien Bourdais. Au Mans, il termine quatrième de catégorie avec un seul coéquipier. Il aura piloté presque 12 heures sur 24. Patrice a disputé dans l'année 32 courses sur Porsche. Ses performances lui vaudront de terminer deuxième pilote de la marque. Sa passion est devenue un vrai métier. Trois fois deuxième à championnat de France et j'ai remporté deux titres. J'aimerais bien en 2003 rééquilibrer les statistiques et avoir trois titres. 2002, Patrice Gouellard est champion de France sur Porsche. 2003, il est champion de France sur Viper. Patrice démontre au passage qu'il peut aussi gagner des courses sur des voitures autres que des Porsche. De l'autre côté de l'Atlantique, il fait parler la poudre en finissant en deuxième à Daytona, derrière une Jaguar. Au 24 heures du Mans, il finit 5e et 4e en GT1. Plus que jamais, son objectif reste le podium de la plus grande course d'endurance au monde. I remember when I lost my mind. 2004 et 2005 sont synonymes de résultats en demi-teinte. Au volant de la Ferrari, Patrice est pourtant bagarre avec Alain Prost. Mais le règlement technique est trop pénalisant pour la belle italienne. Du coup, il retourne aux courses internationales et s'illustre en terminant deuxième des 1000 km de Spa. Patrice participe deux fois 24 heures du Mans avec la Maranello et termine encore 5e et 4e de la catégorie GT1. Cette catégorie est la plus difficile et la plus représentative des constructeurs impliqués en sport automobile. Si les Porsche, Viper ou Ferrari lui ont permis d'obtenir de bons résultats,
Patrice donne une nouvelle impulsion à sa carrière en intégrant le team Luc Alphand Aventure. Philippe Poinclou, le manager, lui propose le volant d'une Corvette aux couleurs Valeo, financée par le baron de Rothschild et parrainé par David Douillet. Les résultats sont là, 3 podiums, Istanbul, Nürburgring et Donington. L'équipage Goulard Alphand Polican arrive en tête pour la finale du championnat en Espagne avec un point d'avance. La casse d'une billette de direction à 45 minutes de l'arrivée les prive du titre. Patrice termine 3e ex-aequo. Le grand temps fort de la saison viendra aux 24 heures du Mans. 12e participation pour Patrice qui va s'octroyer une superbe 3e place en GT1 et la 7e place au classement général derrière les Audi, Pescarolo, Corvette General Motors et Aston Martin. C'est magique, tous les drapeaux, les commissaires, les signes que tout le monde nous fait. Non, en fait, c'est la première fois en 12 participations que je monte sur le podium au Mans. J'avais eu l'occasion de finir sur un podium en 97, mais uniquement le vainqueur était récompensé. Et là, ça fait du bien quand même. Cette incroyable performance vaudra au team le titre de meilleure équipe privée de cette 74e édition. Serre Chevalier que le team Alphand présentait son programme, organisait des compétitions de ski, courses sur glace et annonçait ses pilotes, Alphand, Goulard, Polican, bref, on ne change pas une équipe qui gagne. La preuve, elle va gagner à Monza pour l'ouverture des Le Mans Series, marquée par l'apparition des Peugeot officiels à moteur diesel. Malgré un terrible incendie aux essais, la Corvette TFN Valeo relègue Saline et Aston Martin à un tour. À la régularité, à la fiabilité et à d'excellentes stratégies, Patrice Goulard mène le championnat, 4e à Valencia et 2 podiums à Spa et au Nürburgring. Entre deux courses, Patrice participe également aux 10 ans du club Corvette France. Mi-juin, il dispute ses 13e 24 heures du Mans et figure parmi les 5 pilotes les plus expérimentés en activité. Une 7e place GT1 et encore une arrivée pour le Normand, 11 sur 13, joli taux de réussite. Et cette année, les Aston Martin étaient trop fortes. À Silverstone, en tête à mi-course, un accrochage, les relègues 5e. C'est donc à Interlagos, au Brésil, que tout allait se jouer. Encore en tête avec 7 tours d'avance, cette fois, c'est la boîte de vitesse qui les privera de victoire. Avec 3 podiums et une victoire, Patrice Goulard est vice-champion d'Europe GT 2007. Patrice Goulard va continuer à piloter la Corvette C6R du team Alphand et ambitionne de participer au championnat du monde GT et aux 24 heures de Spa-Francorchamps avec un pilote usine General Motors. Wait and see. C'est ma profession à temps plein, donc je ne fais que de piloter, je suis pilote professionnel. Le métier de pilote automobile réclame une parfaite condition physique et mentale. Patrice Goulard se prépare avec son ostéopathe et ami Philippe Lécuyer. Il veut aussi soigner son image, honorer les demandes des sponsors, de la presse, sans oublier certaines propositions inédites. Patrice a été recruté pour le tournage du film Le Boulet, aux côtés de Gérard Lanvin et Benoît Poulvorde. Patrice est régulièrement sollicité pour des baptêmes de piste. Il effectue également l'essai de ses voitures pour Automoto sur TF1, mais aussi pour M6, France Télévisions ou Eurosport. Il participe à des salons de sport mécanique, reste proche du public et commente aussi les courses GT en direct ou en caméra embarquée. Mais ce qui le passionne plus que tout, c'est le pilotage, comme avec cette Formule 1 Ferrari V12, propriété du musée de Rothschild, avec laquelle il a bouclé 30 tours du circuit de Dijon. A été très apprécié par rapport à ses capacités à ne pas conduire au-dessus de ses pompes, comme on dit. Pilote très fiable.
C'est un pilote extrêmement rigoureux, sérieux, appliqué, il ne fait pas de fautes. C'est un bon pilote, avec beaucoup d'expérience, très fiable et rapide. Patrice Gaulard est aujourd'hui l'un des meilleurs pilotes français. Ce sportif de haut niveau sait vous faire partager sa passion et les émotions que la course procure. Il a aussi su conserver une simplicité et un contact chaleureux qui font de lui un pilote apprécié par la presse, les partenaires et le public. Patrice Gaulard est un pilote professionnel. Une robe de cuir comme un fuseau qu'aurait du chien sans le faire exprès. Et dedans, comme un matelot, une fille qui tangue un air anglais. C'est extra, un maudit blues qui chante la nuit comme un satin de blanc marié. Et dans le port de cette nuit, une fille qui tangue et vient mouiller. C'est extra, c'est extra, c'est extra, c'est extra, c'est extra.